Et bien sûr tout le monde, c'est Xvisca et aujourd'hui on se retrouve pour une aventure sur le beau et magnifique FF7 Remake. Hey, c'est sur notre chemin. Ok, hein. C'est moi ou il y avait comme des ondes bizarres qui se passaient sur la ligne électrique? Je me demande si on sera un jour concret. Désolé, je pensais qu'il y avait une cinématique ou un truc dans le genre, mais apparemment non. Bon, allez mon gros. C'est bon? C'est ici, chez Biggs. On dirait bien qu'il n'est pas encore rentré. Apparemment. Il doit encore être en pleine réflexion. Il fait toujours le point après chaque mission. Il cogite tellement qu'il en a de la fièvre, parfois. J'aurais pas cru. Ça m'inquiète un peu quand même. Mais bon, allons voir chez Jesse, maintenant. On s'est disputé. Ouais, mais Jessie veut faire des choses avec moi, apparemment. J'ai tellement peur qu'il y ait une autre. Elle m'a dit la récompense ce soir. C'est ici qu'habite Jessie. Par contre, les hommes n'ont pas le droit d'entrer. Elle vit en coloc avec d'autres aspirantes actrices. Va pas essayer de t'introduire en douce, surtout. T'inquiète. Et au cas où, il faut que je te prévienne. Elles adorent toutes les ragots. Elles sont pas au courant pour Avalanche ? Non, ça va. Jessie est bonne actrice. Ah, encore un petit conseil. Tu devrais pas trop la prendre au sérieux, tu sais. De quoi tu parles? Mais bon, toutes les femmes sont des comédiennes. C'est sexy, c'est féministe ce que tu viens de dire. Je valide pas, hein. Attention, hein. Sinon, je vais faire une blague grossophobe. Hein. Oh, des minous. Calme, Flo-Flo, Giba, Patty. Venez faire coucou. Aujourd'hui, c'est eux trois qui montent la garde. J'y vais. Merci de m'avoir ramené. Je t'en prie, et soigne-toi bien. Ok, mon frère, c'est gentil. Si tu pouvais éviter de m'appeler comme... N'ayez pas peur, tout va bien. Il est gentil, vous verrez, comme un frère. Voilà, voilà, c'est bien. C'est les chats à papa, ça. Oh, ils étaient tous trop choupis, les minous. Ma carte, s'il te plaît, merci. Et si je dois aller? Oh, te voilà enfin, Cloud. Je me disais bien que t'allais pas tarder. Tu l'as bien mérité, monsieur le mercenaire. Et attends un peu, ça n'est pas fini. Oh. D'accord, super. Tu veux bien me lâcher? Bon, alors, tu repasses me voir demain soir. Je serai toute seule, mes colocs seront pas là. Franchement, je vois pas ce que t'attends de moi. Bon, allez, lâche-moi, s'il te plaît. Et si je te lâche? Tu viens? Je t'attends demain soir. Bon, d'accord. Je vais y réfléchir. Génial! Bon, je vais préparer une pizza dont j'ai le secret. J'y mets Marquet, Luché, des mille noirs et de la cachérie. T'aimeras? Je sais pas, j'y connais rien. Tu sais que t'es trop craquant, toi. T'inquiète, ce sera bon, tu peux me faire confiance. Faites vos rêves! Mais pas trop. Si ça, c'est pas une invitation à aller faire bim bam boum, je sais pas ce que c'est, hein. C'est pourquoi? La sacrée Jessie. Ouais. Bon, si on allait à l'hôtel. Enfin, à ma chambre. Enfin, dans le motel. Enfin, ce qui ressemble à être un hôtel. Attendez, y a plus de textures sur la porte aujourd'hui ou je rêve? Ah, j'aurais peut-être pas, je pourrais peut-être pas aller voir. C'est quoi cette texture? Je m'étouffe. Bref.
Bon, allez, dormir jusqu'au lendemain. Ah là, j'avoue que là, c'était très polygonal. Ouais. Tu t'es absenté longtemps. Je me promenais. Au fait, j'ai revu Johnny. Il se prépare à quitter Midgar. Ah, ouais, je vois. Mais toi, Cloud, tu comptes bien rester en ville encore un peu? J'ai une vieille amie ici qui a l'air un peu perdue. Si elle a des problèmes, je voudrais l'aider. Je lui ai fait la promesse. Les problèmes que je m'étais imaginés à l'époque n'étaient pas du tout de ce genre. Si tu veux en parler, je t'écoute. Mais... je rêve ou t'as vraiment changé? Comment ça? T'es devenu plus aimable, on dirait. Et c'est bizarre? C'est plutôt bien. Je pense que même Marlène n'aura plus aussi peur. Maintenant que je sais que tu vas rester là, je suis soulagée. Je tombe de sommeil. J'aimerais encore discuter, mais je crois qu'il vaudrait mieux qu'on dorme un peu. Ouais. Bonne nuit, Cloud. Bonne nuit, Tifa. Pourquoi il est marqué menu en bas à gauche? Ça me perturbe le menu en bas, Fakefa. Ça a pas l'air de marcher. C'est un mauvais rêve, non? Pas de la logique. Ah, aucune faiblesse, aucune altération efficace, magnifique. Analyse impossible. Bon, je vais peut-être jouer un petit peu Tifa pour changer. Choc-cul ! Ah, ton bébé m'a putain. Peut-être un sort de un autre sort, peut-être plus sympa. Cool, peut-être. Ah! Ça a eu l'air de faire son petit effet. Ah bah, les compétences sont bien mal aussi quand même. Waouh, pas mal. Je sais pas trop. Ils deviennent visibles quand on les touche. Mais à part ça. Les soldats ne savent pas. On sait au moins. Vas-y, ça va le savoir logiquement. Et qu'ils ont été exposés à Mako. Vraiment le temps. Bien,
un autre chemin ? Par là ! Ok ! Ouais, par là, mais bizarrement, on court à l'intérieur du truc, quoi. Ici aussi. On dirait qu'ils veulent nous empêcher de passer. Cloud, par ici ! Ah ! Non, c'est pas vrai ! C'est un véritable déluge ! Je te laisse pas emporter. T'inquiète, je te suis. On arrive, arrête! Arrête! Bien. Jesse, arrête! Pas trop tôt! Il en vient de plus en plus! On va jamais tenir! On arrive! Tu vas! J'arrive, Tifa! Hop là, hop. On va peut-être un petit peu spammer la foule, histoire de monter un petit peu la matéria, je pense. What? De quoi la défense des créatures a été réduite? What? C'est pas fini! J'arrive! Là, je dois jouer avec Cloud parce que là. J'arrive! Et hop! Yeah! Non, non, là c'est encore un. Bon, Tifa, sois utile s'il te plaît. Compétence. Okay. Bon, Ambra va quand même faire pas mal de dégâts sur les ennemis, donc c'est pas mal. J'aimerais quand même que. Tifa et autres puissent utiliser un peu plus leur sort automatiquement, quoi. Vous savez pourquoi? Pourquoi il y a marqué que j'ai appris une compétence? Faut que je spam. Ah d'ailleurs attendez, si j'appuie sur. Ah d'accord, il y a. Oh putain. Tu veux bien descendre? Oh putain, on a plus cher. Pas de pitié pour les croissants! Il faut en profiter! Voilà! Jesse, tu t'en sors? Plus ou moins! Bizarre tout ça. Il y a eu une attaque de créatures.
voiture? Eh ben, circulez, y'a rien à voir! Bordel, c'était quoi ces serpillères volantes de merde? Bah, dans un tel dépotoir, ça m'étonnerait même pas que ce soit une nouvelle espèce de mutant. Je te jure, c'est la faute de ces réacteurs. Ça va aller? J'aimerais te dire qu'il n'y a aucun souci, mais bon... Oh. Ça commence à être un peu gênant. J'arrête pas de t'obliger à venir à mon secours. T'en fais pas. Hein? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé à la jambe? T'as pas trop mal? Pas de quoi paniquer. Je sens presque rien. Quand même, il vaudrait mieux que tu te reposes un peu. Je peux pas. T'es pas en état. Tu vas tenir la boutique. Hein? Comment on va faire pour la mission? Biggs s'est déjà infiltré, je te signale. Tu veux quand même pas qu'on annule maintenant? Je ferai ta part du travail. Et c'est bien ce qui m'inquiète. Dans ce cas, c'est moi qui vais devoir mettre les bouchées doubles. Dis-moi, tu serais prêt à partir maintenant? Oui, mais prévois un bonus. Ok, pas de problème. C'est réglé. Cloud, viens avec nous. On peut reprendre la mission. Je compte sur toi pour mettre une belle pagaille. Wedge, tu vas t'occuper de Marlène et Jesse. Hein? Mais je suis en pleine forme, moi! Y'a qu'à toi que je peux demander ça. Prends bien soin d'elle. Bon, c'est reparti pour un tour. On va détruire le réacteur numéro 5. On se prépare chacun de son côté, et on se retrouve à la gare. Prends ça pour tes faux frais. Et t'as pas intérêt à venir te plaindre du montant. Je compte sur toi. Monsieur le soldat. Cloud, je compte sur toi pour les prochains... J'ai encore loupé une occasion de monter... T'en auras d'autres, désolé. T'es en train de me consoler, là? On peut encore y jouer. Parce que j'ai vu qu'apparemment, il y avait une matéria qui était liée à ça. Je ne sais absolument pas c'était laquelle, mais attendez. Je vais juste aller vérifier. Attendez, c'est FF7 Remake. Alors, il y a un truc avec les fléchettes, ça j'en suis sûr et certain. Ouais, putain, il y avait un truc. C'est quoi? C'est obtenir la matière chance augmentée, c'est ça? Alors, c'est quoi ça? Pour ce faire, un de très compliqué, enfin presque, puisque vous devez réaliser le score très exact de 301 en moins de 8 coups. La manière la plus expéditive et la plus simple consiste à mettre 5 fois fléchette dans le triple 20. Le triple 20. C'est quoi un triple 20 en fait? Parce que moi je sais vraiment pas comment ça se joue en fait, les fléchettes. Je vise le 20 en 3 fois. C'est pas. Et une fois dans le 1. Je pige pas là.
Attendez, mais what? C'est quoi le triple 20, putain? Je comprends rien. Ah là 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 là. Oh vas-y, navigateur web qui a bugué quoi, fait chier. Moins de véhicules, on va mettre 5 fois. Ah, faut mettre 5 fois, d'accord. Ah non! Putain! Ah oh, et puis merde, hein, je vais pas me faire chier, hein, c'est chiant que le joystick arrête pas de bouger là. Allez YOLO, tant pis. On s'en passera. Bon ben, allons-y. Tifa? Détends-toi un peu. Hein? Je sens que t'es stressée. Ça va, merci. Allez, je suis prête. Faire rejoindre l'équipe ou pas? D'ailleurs, y'a pas des trucs que je pouvais lui mettre. Je sais plus. Je crois que je voulais lui mettre un bracelet en fer histoire que ses dégâts, enfin sa défense augmente. Le truc c'est que je perds deux matéria ici. Bon, je pense que je vais me rejoindre après. Les motos que t'as préparées hier. Prends des potions. Inventaire, quoique sort, ça ira peut-être plus vite. Je peux pas utiliser un sort hors combat? Non, t'es de ma gueule. What? Je dois rêver là. Finalement, c'est un ballon. Oh, pas grave, quoi? Allons-y. Les explosions. Quoi? En détruisant des réacteurs, ils vont faire. Allez, la gare. Allez, quoi? Ces articles que vous m'avez achetés, est-ce que je peux les vendre aux autres clients? Ah, le thème de Barrette. Youhou! Je pense qu'on est bon là. Ouais. Cloud! Vos capacités sont bien supérieures à tout ce que j'avais estimé. Cloud! Merci pour votre coopération. J'ai du nouveau en matière de matéria. La matériale est quand même intéressante. J'espère que vous continuerez de m'aider en récoltant les données. Oui, blablabla. Il y a des horaires spéciaux. J'espère juste que je pourrais en mettre une sur Barrette. Bon. On commencera la mission dès qu'on sera dans le train. T'es prêt à y aller, j'espère. Oui. Higgs, j'espère qu'il s'en sort là-haut. Faut qu'on se dépêche d'aller le rejoindre. Et un autre jour, ça marcherait pas? La machine est lancée, c'est trop tard pour l'arrêter. Trop de gens sont impliqués dans cette opération. Et puis, on a posé un ultimatum. S'ils arrêtent pas les réacteurs, on en refait sauter un aujourd'hui. C'est leur faute qu'ils assument. Restez tranquille. A menacé de détruire un réacteur Mako. Des mesures extraordinaires ont été prises pour assurer la sécurité des installations et du public.
Pour ces raisons, les horaires des trains sont fortement perturbés. Notre arrivée à la gare du secteur 4 est donc prévue avec un certain retard. On va se faire le réacteur numéro 5. À partir de la gare, on se faufilera par les ruelles. Quand on sera dans l'enceinte du réacteur, on fera comme pour le numéro 1. On va jusqu'au réservoir. Exactement. Et boum, on le fait exploser. Jesse et Wedge comptent sur nous. Va falloir se débrouiller sans eux. Ouais. Ok. Eh ben, dis donc, il n'y a pas grand monde. La nouvelle s'est répandue, et bien plus vite que Biggs ne l'avait prévu. On se fera repérer si on est ensemble. Vous deux, restez ici. Attention, nous arrivons à la zone de contrôle d'identité. C'est la première zone de contrôle. Ça devrait aller, non? Je sais bien qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Mais ça m'angoisse quand même. Tu veux pas aller voir s'il n'y a pas de problème dans le wagon d'à côté? Ça me tracasse un peu. Qu'est-ce que tu veux dire? Barrett, tu sais, il est généralement assez irritable avant une mission. J'ai peur qu'il fiche la trouille aux autres passagers. T'inquiète pas. S'il te plaît, Cloud, tu veux bien me rendre ce service? Je reviens tout de suite. Je te remercie. Et maintenant, vous continuez à les soutenir! Il y en a plus que marre. Avalanche est une plaie. Hein? Ah, à cause de leurs menaces, tous nos services sont désordonnés. Les gens sont complètement affolés. Mais je me battrai. Non, c'est tous les employés qui se battront. Les réacteurs continueront de tourner. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? S'il y a un problème... Je vais te dire un truc. Non, ça va. Roquette de merde. Tu sais très bien que ça vaut pas le coup. Ta-ta-ta-tam-tam-tam-tam-tam-tam. Ah. Je peux lui reparler ou pas? Où est Tifa? Tu ferais mieux de pas la laisser seule. Contrôle des identités en cours. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Contrôle des identités en cours. Carte suspecte détectée. État d'alerte déclenché. Contrôle du dernier wagon imminent. Début du ratissage de sécurité. Oh non! Départ là! On se grouille! Cloud, détruis ces appareils! Je m'en occupe. Eh ben, et donc? Des pains! Merde, j'en sais feu! Vite!
Et what? Je veux bien me grouiller, mais putain, il y en a d'autres qui pop. Bon. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous serez plus en sécurité là-bas. Je suis un employé de la Shinra, votre ennemi. C'est pas le moment. On va protéger tout le monde, s'il vous plaît. Dans ce cas, je m'occupe de ce wagon. À mon tour. Ça ne finit pas. Les trois Bonne observation, monsieur le soldat. Laisse tomber. Hein? La gare sera sûrement encerclée. Il faut qu'on saute. T'es malade! Il suffit de faire freiner le train. Alors on passe au plan E de Biggs. Oh merde! Et lui ma matière d'analyse. Non, c'est pas ma tasse, c'est une compétence, putain, avec ça. On y va à fond! Foudrement! Nice! Bon, vu que Barrette est au fond, on va s'arrêter ici pour ce nouvel épisode des loulous. Allez, sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous, prenez soin de rock'n'roll. N'oubliez pas d'avoir la attitude. Comme d'habitude, je vous procure. Vous connaissez les chansons, vous connaissez les lyrics, vous connaissez le dicton. Je vous laisse, je fais plein de partout et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Tchaba et Bouti Bouti et que l'amour du Pélus avec vous. Peace.